Paris est aujourd'hui le plus grand port de passagers du monde, fluvial, de très loin. Évidemment, vu, étant donné la fréquentation touristique et l'attractivité de la Seine, et oui, il faut absolument qu'il devienne aussi leader dans la qualité qui est proposée aux clients et dans une navigation propre. With his firm Seine Architects, Gérard Ronzati specializes in the design of boats and near-river buildings and structures. He designed the floating gourmet restaurant Ducasse-sur-Seine, which is propelled by an electric motor. Nous n'avons fait qu'un seul bateau tout électrique pour le moment. C'est celui de Ducasse, le fameux cuisinier. Et c'était un choix qu'il a fait lui personnellement. Et je pense qu'il a fait ce choix du tout électrique, il nous a fait cette demande, parce qu'il vise ça justement, l'amélioration de l'environnement pour tous, et pas seulement pour ses clients. C'est quelqu'un qui est très sensible globalement aux questions de développement durable, de résilience. C'est ce qu'on travaille sur la nourriture, c'est le travail qu'il mène lui-même sur ce qu'il propose à ses clients. Aujourd'hui, c'est vraiment une exigence. Alors, on la qualifie souvent d'écologie, mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, elle est aussi, c'est aussi une question de santé et d'hygiène, surtout en milieu urbain. C'est un univers, c'est un environnement qui nous plaît beaucoup, parce qu'on a déjà réalisé un complètement, on a pu comprendre à quel point cet environnement qui est calme, qui est valorisant. La croisière est silencieuse, sans vibration, et l'environnement technique ou de la maintenance est très intéressant. On a pu se faire des compartiments moteurs, des quatre compartiments batteries qui sont très propres, qui sont faciles à entretenir et avec une maintenance qui est très simple aussi à organiser. Je pense que c'est une évolution qui est irrémédiable, qui est incontournable et que très rapidement, les flottes entières fluviales de villes comme celle de Paris ou d'autres, comme celle par exemple de Berlin actuellement, qui est en train d'évoluer, seront toutes électriques.